700 weeks. If you believe where electricity will take on... Une fois de plus, l'organisation ne va pas respecter les horaires des courses ici au Tourist Trophy de l'île de Man. Donc la course de Sidecar 2, qui devait se faire maintenant, est annulée. Et aussi les essais pour cet après-midi, c'était les essais de Lightweight et les essais du Senior TT. Donc quand même, on a eu deux courses et ces deux courses ont été très très belles. La première, oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas des motos ça, mais oui, c'est des électriques et regardez comment elles y vont. 700 weeks. Oui, c'est pas le même bruit, c'est pas le même glamour, mais bon, je vous dis juste une info. Donc, McGuinness, qui a gagné la course, il a roulé à une moyenne de 117 miles per hour. Cela veut dire qu'il est capable d'égaliser le même temps, la même vitesse par tour qu'une bicylindrique de 650 cm3. Attention. Bon, en deuxième position dans le TT0, c'est Bruce Anstey qui était aussi avec la Mugen Shinden. Et bon, Mugen Shinden que l'année dernière avait perdu par rapport à la MotoGP. Cette année, il a pu avoir son TT0. Ils sont très contents. En troisième position, c'est Bob Prop Barber. Mais le plat fort de la journée, c'était la course de Supersport 2. Vous savez que hier, Gary Johnson, le vainqueur dans la course de Supersport 1, a eu une chute pas loin d'ici. On est à Gooseneck, donc deux virages avant, il a eu une chute, il a des fractures partout. On a vu ce matin une photo depuis l'hôpital. Il est content, il a levé le pouce, donc c'est bien. Mais bon, c'était une espèce de cadeau, entre guillemets, pour Michael Dunlop. Michael Dunlop, si tu lui donnes juste ça, il en profite et aujourd'hui il en a profité. Il a gagné avec beaucoup de supériorité et bon, c'est son troisième TT cette année sur 4 et c'est son dixième TT déjà avec juste 24 ans qu'il a, donc c'est une folie. La course, comment ça s'est passé? Donc Bruce Anstey est sorti très très rapide, Michael Dunlop sortait juste derrière, l'un a le numéro 5, l'autre a le numéro 6 et Michael Dunlop a juste pris la roue de Bruce Anstey et ils sont restés comme ça pendant toute la course. Cela voulait dire pour Michael Dunlop que s'il restait comme ça, il gagnait la course parce qu'il lui avait déjà pris 10 secondes à Bruce Anstey. Donc il a suivi les pneus de Bruce Anstey et ils sont arrivés comme ça. Premier, Michael Dunlop. Deuxième, Bruce Anstey. Et troisième, une surprise, c'est William Dunlop, le frère de Michael, qui avec le Suzuki, la Taiko Suzuki, lui a dit à son copain Guy Martin, « Allez, faut que tu te débrouilles parce que tu sais, moi, je commence à faire des bons résultats. » Guy Martin, je crois qu'il est resté en dixième position, un truc comme ça. En quatrième position, ça a été Dean Harrison, dont on parlait hier. Donc très bien, on pourrait dire que les mecs qui sont plus en forme cette année au TT, c'est Michael Dunlop, Bruce Anstey et Dean Harrison. Alors pour notre Breton, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on l'a vu passer très rapide par là.
par Gooseneck, un peu plus en haut aussi à Joyce, premièrement avec l'électrique. Donc je crois qu'il a pu finir vers la cinquième position, mais on n'a pas les données officielles encore. Et ici, bon, pour la course des supersports, très bien roulé, et je crois qu'il a fait tous les tours en dessous de 20 minutes, donc un très bon résultat pour lui. Je sais qu'il y a pas mal de Bretons qui regardent ces vidéos, et donc pour Timothée et pour vous, Bébête Brace.